sommes à la moitié du classement, et celle qui vient à la 9e place, est la magnifique actrice Ximena Duquet. Ximena Duquet est née le 30 janvier 1985, à Cali, en Colombie. C'est une actrice et mannequin colombienne. En 2004, Ximena a eu un enfant avec l'acteur, chanteur Christian Carabias qu'elle a fréquenté de 2003 à 2008. De 2010 à 2016, elle sort avec l'acteur Carlos Ponce. Ils annoncent leur séparation au début de l'année 2016. En 2017, elle se marie avec l'homme d'affaires Jead Kinz et ils ont une fille ensemble le 14 janvier 2018. Depuis quelques mois, on sait que Ximena est enceinte de son 3e enfant. Côté professionnel, Ximena a joué dans plusieurs telenovelas. En 2012, elle interprète le rôle de Carola Condé dans la telenovela La Maison d'à Côté. La même année, elle joue dans La Force du Cœur, le rôle de Samantha Sandoval Navarro, une garde du corps où elle forme le fameux couple avec Fabian Rios, Willy Del Castillo dans la série. En 2013, elle incarne Inés Robledo dans la telenovela Santa Diabla. Ces derniers temps, Ximena s'est un peu éloignée des plateaux de tournage et dit vouloir se consacrer à sa famille. Classée à la 8e place, nous avons la belle et légendaire actrice de telenovela Thalia Ariadna Sodi Miranda. Thalia est une actrice et chanteuse mexicaine née à Mexico le 26 août 1971. Son nom est fortement lié au telenovela, ce qui l'a notamment rendue célèbre dans le monde entier. En 1994, elle a joué le rôle de la mythique Marimar Pérez dans la série du même nom. Elle a ensuite enchaîné les telenovelas à succès jusqu'en 2000. Le 2 décembre 2000, Thalia s'est mariée avec l'homme d'affaires Tommy Mottola, avec qui elle a eu 2 enfants. Thalia est désormais consacrée sur sa carrière de chanteuse. Elle a vendu plus de 50 millions d'albums à travers le monde et elle est considérée comme la chanteuse mexicaine la plus populaire et qui a vendu le plus de disques au niveau international. À la 7e place, nous avons la magnifique actrice Ana Brenda Contreras, aussi connue sous le nom de Ana Breco. Elle est née le 24 décembre 1986 à McAllen, au Texas. C'est une chanteuse, actrice et productrice américaine d'origine mexicaine. Ana Brenda est une véritable star des telenovelas depuis 2005. En 2009, elle joue le rôle d'antagoniste dans la telenovela Sortilège, où elle interprète Maura Albarrán, une femme amoureuse d'Alejandro Lombardo, le personnage incarné par William Levy. En 2010, elle est l'un des personnages principaux de la série Teresa. En 2018, elle se fait connaître à l'international en interprétant le personnage de Crystal Flores, dans la série télévisée dramatique américaine Dynasty. Poursuivons le classement avec celle qui vient à la 6e place. Il s'agit de la sublime Barbara Mori, de son nom complet Barbara Mori Ochoa. C'est une actrice mexicaine née le 2 février 1978 à Montevideo en Uruguay. Son père est japonais et sa mère mexicaine d'origine libanaise. C'est en 2004 qu'elle interprète le rôle de la sublime et ambitieuse Ruby, dans la telenovela du même nom, ce qui confirme son statut de vedette, car le feuilleton a été un succès mondial. Barbara Mori a été mariée avec Sergio Mayer, mais ils ont divorcé en 2000. En 1998, elle et Sergio ont eu un enfant nommé Sergio Mayer Mori. À l'âge de 29 ans, Barbara Mori a été frappée par le cancer du col de l'utérus. Heureusement, son cancer a été découvert à un stade précoce et elle a pu être soignée à temps. Barbara Mori est une actrice très engagée qui participe à plusieurs associations en faveur des enfants malades du cancer. Classée à la 5e place, nous avons la belle Lucy Vania Domínguez. Elle est née le 27 octobre 1982 à Mexico. C'est une actrice et chanteuse mexicaine. Elle est connue pour avoir interprété plusieurs rôles dans les telenovelas, comme Amour à Manhattan où elle jouait le rôle de Marisa Luran. En 2018, elle a joué Elisa Romero dans la série De l'autre côté du mur. Lucy a été sacrée actrice la plus sexy du monde pour la seconde année consécutive par les lecteurs du célèbre magazine Glamour Mag, dans le numéro de décembre 2020. Surnommée l'actrice au grand sourire, Lucy Domínguez arrive en tête du classement 2020 des personnalités préférées des Mexicains. On continue le classement avec celle qui vient en 4e position, avec la sublime actrice colombienne Carmen Villalobos Barrios. Elle est née le 13 juillet 1983, c'est une actrice et mannequin colombienne. Elle a épousé son petit ami de longue date Sebastián Caicedo, le 18 octobre 2019 à Cartagène, en Colombie,
lors d'une somptueuse cérémonie de mariage. De 2016 à 2018, elle a interprété le rôle de Catalina Santana dans la série colombienne Catalina. C'est une actrice très populaire et très appréciée par le public colombien. L'actrice qui est classée à la troisième place est la magnifique actrice et mannequin vénézuélienne Gaby Espino. Née Maria Gabriela Espino Ruggiero, le 15 novembre 1977 à Caracas au Venezuela. Le 14 juin 2007, Gaby épouse l'acteur vénézuélien Cristóbal Lander, avec qui elle a une fille prénommée Oriana Lander. En mars 2011, le couple annonce leur divorce. En 2009, sur le tournage de El Diablo, Gaby rencontre l'acteur Juan Carlos Canela. Après plusieurs mois de rumeurs, Gaby et Juan Carlos annoncent qu'ils sont en couple et qu'ils attendent même un enfant ensemble. Le 12 février 2012, Gaby donne naissance à un garçon, prénommé Nicolas Canela Espino. Le 26 août 2014, ils annoncent leur séparation. Côté professionnel, Gaby a joué dans plusieurs telenovelas, dont la telenovela à succès et El Diablo, en compagnie de Juan Carlos Canela. Elle gagne le prix de la meilleure actrice de l'année. En 2013, elle est la vedette de la telenovela Santa Diabla, aux côtés des acteurs Aaron Diaz et Carlos Ponce. Depuis 2015, elle possède sa propre marque de maquillage. Gaby Espino est aussi animatrice télé. Elle est très proche de ses enfants et adore passer du temps avec eux. Celle qui vient à la deuxième place de notre classement est la belle et talentueuse actrice, chanteuse mexicaine Maite Perroni. Elle est née le 9 mars 1983 à Mexico. Elle est devenue célèbre grâce à la telenovela mexicaine Rebelde. Reconnue pour sa beauté, Maite a été sélectionnée pour figurer parmi les 10 plus beaux visages 2016 par le magazine TC Candler. Elle est la seule Mexicaine inscrite sur la liste depuis 5 ans. Elle a également été classée parmi les 50 plus belles personnes du monde par People Magazine en espagnol pendant 8 années consécutives. Maite est une ambassadrice de la beauté mexicaine. Elle parle couramment l'espagnol et l'anglais. En 2009, Perroni a été nommée la nouvelle reine des telenovelas. En 2011, Maite joue le rôle de Maria de Zamparada dans la telenovela, Le Triomphe de l'Amour. Maite Perroni a également acquis une renommée internationale en tant que chanteuse en étant membre du groupe de pop latine RBD. Elle a beaucoup de succès aussi dans sa carrière solo. Maite Perroni rencontre actuellement un énorme succès avec sa nouvelle série, Sombre Désir sur Netflix, révélant ainsi une autre facette de son talent d'actrice, autre que dans les telenovelas, devenant par la même occasion une actrice internationale. Maite Perroni a remporté de nombreux prix, dont le prix TV Novela de la meilleure actrice. Notre classement tire à sa fin et celle qui vient en première position est la magnifique et talentueuse actrice mexicaine Araceli Arámbula. C'est une actrice, chanteuse et mannequin née le 6 mars 1975 à Chihuahua au Mexique. Elle est d'ascendance française et basque. En 1996, Araceli remporte le concours El Rostro de Mexico, ce qui lance sa carrière. De 2005 à début 2009, Araceli Arámbula était en couple avec le chanteur Luis Miguel, avec qui elle a eu deux fils, Miguel et Daniel. Après avoir joué dans plusieurs telenovelas, en 2013, Araceli joue le rôle de Gabriela Suarez dans la telenovela La Patrona, où elle partage l'affiche avec Christian Bach et Jorge Luis Pila. Après le succès de La Patrona, en 2014 Telemundo la choisit comme la protagoniste de la telenovela Le Prix du Pardon, où elle joue le rôle de Lucia Duran. En 2017, elle interprète le rôle de la célèbre évangéresse Altagracia Sandoval, dans la série La Doña. En 2020, elle rejoue le même rôle dans La Doña 2. Araceli Arámbula est aussi chanteuse. Elle a même chanté le générique de La Patrona, mais aussi celle du Prix du Pardon, et de la série à succès La Doña. En 2020, elle chante le générique avec Gloria Trevi de la deuxième saison de La Doña. Araceli Arámbula est l'une des actrices les plus populaires et les plus appréciées du Mexique, grâce à son talent d'actrice, et le fait qu'elle interprète ses rôles à la perfection. Ce qui lui vaut tout ce succès. Elle a des fans dans le monde entier, détenus sous le nom de Lara Familia. Voilà ainsi présenté notre top 20 des plus belles actrices de Novelas TV. Alors êtes-vous d'accord avec notre classement? Selon vous, quelle est la plus belle actrice de Novelas TV? Dites-le nous en commentaire.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.